Donc voilà. Est-ce que Non. tu veux changer de campagne ou est-ce que tu veux rester sur celle-ci? C'est-à-dire qu'on serait plus contre les Normands? Mais on peut aller à la bataille de Berlin, qui est une de mes préférées. Attends, apparemment j'ai une nouvelle arme. C'est au Le plaisir. fusil Ross MK3. Il est bien. Ouais. Ça peut aller. Mais pareil. Nouvelle détente. Épuisé peut être obtenu via la logistique. Comment ça épuisé? Double détente. Mais je comprends pas. Ah, il faut d'abord que je... Ah putain, attends, faut que j'aille d'abord dans les... Ah oui, t'as plein de choses à faire. Fusil, bah non. Bien sûr, on est toujours avec ce bon vieux Chamard. Vieux, vieux, c'est bon, j'ai 30 ans une semaine, c'est bon, calme. Putain, c'est dans Alors une ça semaine fait... ton anniversaire? Ah oui, Non. c'est le 13! Oui. Putain, c'est vrai! Et dis-toi du coup que bah, la semaine prochaine, le stream, ça fera 4 ans. Je sais. Moi, je me Je souviens. me souviens l'année dernière, espèce de gros bâtard, quand tu m'as pas souhaité mon L'année d'avant aussi. anniversaire! Et l'année d'avant aussi. Espèce de gros fils de pute! Alors, après avoir recherché un sapeur pour les squads, on ne pouvait plus débloquer un opérateur radio pour les squads. Très bien. Non, mais cette fois, j'ai pas oublié. Donc, je développe des sapeurs pour tout, c'est ça? Souvenir de ce moment magique. Je dis Hein, plus. Non, mais. je développe les sapeurs pour tout. Oui. Bah, c'est mieux, comme ça, du coup, si jamais t'es dans la merde et qu'il faut reconstruire un point de réapparition, t'en as un peu un dans chaque exode. C'est toujours un truc bien. Puis en même temps, ça remplace un fusilier, en fait. C'est quoi ça? Un nouveau palais de soldats. Ok, débloqué. Mais du coup, Débloqué. tu veux rester en Normandie ou tu veux changer de campagne? Pour rester en Normandie. Allez, go. J'ai des comptes à rendre, moi. Mais du coup, à voir ce que je fais pour les 4 ans de la chaîne. Est-ce qu'on fait un stream spécial et du coup, je sors. Et Bon, là, il y tu en a. pourrais faire un stream ASMR gilet jaune, non? Tu devais pas faire ça? Ah si, c'est Non, non, c'est. Non. Non, mais vrai. là, tu vois, j'aurais pu dire. Non, mais on pourrait faire le RP Jean Pépé Cyberpunk. Ben, sinon, faut déjà finir Elden Ring. Ah non, il s'en bat les couilles. Ah, d'ailleurs, Il s'en bat les non, couilles, ok, bon bah tant pis. Je pensais qu'il allait être le heureux, vaisseau mais il s'en fout. Ring qui est bien, bien, Ah, c'est gentil, bien, merci. bien, cool. Ouais, franchement, il a fait. Et puis le moment avec Dwight qui dit, What is the procedure? C'était genre, putain, quand je t'ai envoyé le gif de OK, it's happening, je fais, putain, j'étais dans le Il est film. fou. Moi, c'est aussi Ça, c'est pour le David Goudenoff. Je le trouve ouais. incroyable. C'est ça. Puis bien sûr, un Ricardo et Georges. Ah bah Ricardo qui apparaît toujours. Hein. Toujours un plaisir. Attends, je peux plus me donner la récompense. Toujours des grands moments de qualité. Tu me dis quand t'es prêt? Attends. J'ai reçu des trucs. Qu'est-ce Et que je donc y peux avoir, mais débloquer? il y aura peut-être un petit peu plus de best-of cette année. Ah! Mais c'est à voir. Tu vas payer les gens qui font les best-of ou pas un jour? Ah mais du coup c'est fait maintenant. Tu les payes? Ça y est. C'est vrai? En visibilité ou en vrai Ah bah euro? oui, bah, avec ma visibilité de petite chaîne, ouais. Non, non, c'est du Bah coup, ça... à la base, bah du coup, Daniel voulait pas que je le paye. D'accord, Et du putain, coup, c'est sympa de ta part. chaque année, je lui... Enfin, à chaque fois qu'il sortait, je lui dis, mais je te paye et tout, je te rémunère. Hein. Après, du Putain, coup, bah vache, c'est cool. forcément, c'est pas autant Du que ce coup, t'es que... devenu un patron. T'es devenu Voilà, un patron. c'est ça, c'est mon employé. Ah la vache. Non, c'est Ah du coup, putain. c'est pas autant que ce que j'aimerais qu'il soit, parce que du coup, vraiment, des monteurs... Oui. Bah, c'est Joseph. un taf de fou, quoi. Ah, je peux mettre Joseph Moreno au Mais lieu de là, du coup, l'Afrique. il a accepté que je lui donne des billets. Donc, je suis très content. Très C'est content qu'il ait gentil. accepté l'argent. Allez, Donald Peter, je suis désolé, mais tu vas partir alors que. Je peux te faire des best-of si tu veux. Ah bah, par contre, du coup, il va me le faire tous les 2 mois, normalement, on a dit. Tous les 2 mois, on en fait un. Après, du coup, on peut faire une rotation comme ça. N'oublie pas qu'il faut de lui dire de se syndiquer, hein. On peut déjà faire un syndicat, il va se mettre en grève. T'es prêt? Il faut être deux. Attends, j'ajoute. Oh mais Pour faire une grève, il faut être deux minimum. qu'est-ce qui est long. Mais attends, j'essaie de comprendre. Putain, il a toujours Pour pas fini recevoir la quoi. vente. Ouais, voilà, c'est bon. Ah. J'ai un logo Dropbox sur mon Nicolas Strickland là, mais je comprends pas. Logo de Dropbox? Ouais, genre là, un colis J'ai quoi, déjà même ouvert. pas le temps de faire les miens JPP. Mais c'est trop long les best-of à faire. C'est pour ça que je fais plus de montage. Parce que j'en avais fait un là sur Rocket League et ça m'avait pris 3 mois, j'en pouvais plus. Hein. Parce que là, j'adorais faire des best-of. Ça demande trop de temps. Déjà que j'ai pas le temps de stream. Moi, ah oui, d'ailleurs, je t'ai pas dit. Je pose madame vendredi prochain pour mes 30 ans, juste. Oh merde! Ras le cul, j'en peux vraiment plus. Oh putain.
Elle a imprimé dans mon casier et tout. Et vendredi, en plus, après, j'ai un entretien pour un autre poste, pour un autre boulot. Excellent. Bah, du coup, désolé de l'apprendre, mais tant mieux. Ah non. Dans ma boîte, quand quelqu'un pose sa dème, on le dit félicitations. Ouais, bah félicitations. Ouais. Et Ah non, c'est de la merde, hein, j'en peux plus, hein. C'est vraiment bah, des connards. Ouais, bah ça, j'imagine. Bah, j'imagine que de toute façon, t'avais qu'une seule envie, c'était de te barrer. Et du coup, je crois qu'ils me doivent encore. Te doivent encore des trucs ? Je crois qu'ils me doivent encore 240 euros, ouais. Oh putain, les fumiers. Ah non, mais là, en gros, ils veulent nous imposer des heures repos qu'on n'a pas en fait. Et donc, du coup, c'est des heures qu'on devrait à l'entreprise. Quelle bande de bâtards. Ouais. Alors, parce qu'il n'y a pas assez de boulot, ils nous disent, bah rentrez chez vous, mais par contre, voilà, vous posez une heure de repos alors que vous ne les avez pas encore. Du coup, ça fait qu'on a un compteur de repos négatif. Et donc du coup, ça veut dire que ce compteur de repos, il augmente plus on fait d'heures supplémentaires, donc pour arriver à un compteur petit, il va falloir enfin faire plus d'heures sup. Ah désolé, je t'écoute, mais j'étais très concentré sur le mec là qui voulait me fumer ma race. T'inquiète, je suis derrière eux. Et en faire une crêpe flambée. Parce qu'elle est flambée. Ça t'avait pris 3 mois à lancer Rocket League. Sans compter le best-of, ouais. Bon. C'est tué par Vin Diesel 40. Oh merde. Il l'a fait pour la famille. Non, par Diesel 40, mais c'est bon. Il y avait... Et du coup, tu vas postuler où ça? Dans des laboratoires. Ok. Dans des laboratoires. Là, c'est là où j'ai postulé, c'est pour être animateur qualité prévention environnement. Oh. Donc c'est pas dans les laboratoires, c'est en fait, c'est que je suis là pour voir si ça se passe bien dans les chantiers, tout comme ça. Pour oh, c'est bien ça. Genre le connard qui fait... Eh, mets ton casque là. Ouais. Mais c'est cool en vrai, parce que non, tu vas c'est... pouvoir être un peu dehors et tout. Bah non, ça c'est cool. Donc soit, en gros, bah faut que je passe un entretien, mais j'ai passé un entretien téléphonique hier avec la chargée de recrutement, ça s'est bien passé. Puis il m'a dit, bah venez à Pleurtuy, à côté de Saint-Malo, là, pour l'entretien. Du coup, bah bon, on dit, après le taf, à 15h30, je vais cool, ça, à déjà, Pleurtuy. Ouais. Et il y a un autre labo qui m'a dit non, mais je pense que c'est parce que je suis surqualifié. Oh merde. Je pense vraiment. Et du coup je vais postuler à leur offre d'emploi de responsable laboratoire s'il leur faut. T'es surqualifié pour responsable laboratoire? Non, pour technicien laboratoire. T'es surqualifié pour ça? Oui. Oh putain, j'ai pris sa balle quoi. Bah n'importe qui a plus qu'un... qui sait compter en fait. Oui, oui, t'as master, oui. Bah oui. N'importe qui sait compter est surqualifié pour être technicien de laboratoire. Oh, ça me parle tellement mal. Ah non, mais je t'inquiète pas que technicien de laboratoire, c'est... Putain, les pauvres, les pauvres techniciens, quoi, qu'on vient demander. Mais je suis technicien de laboratoire, moi. C'est de l'élitisme. Non, t'es pas très vite des classes, hein. Non, justement, c'est qu'en fait, c'est dire c'est technicien de laboratoire, tout le monde peut faire ça. Mais c'est pas comme ça que tu l'as c'est dit. Pas que... Hein, si, c'est-à-dire que n'importe qui sait compter est surqualifié. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment besoin de qualifier pour être technicien de laboratoire. Bah, c'est pas faux. C'est pour ça qu'on dit que c'est un emploi non qualifié. C'est un travail à la chaîne. Hein, c'est... Oh, j'ai totalement raté ma smoke. Ah, mais il y a un torque là. TKT, je suis sur le point. Tu peux pas mettre un point pour apparaître? Un truc comme ça, j'ai non, pas. Non, là je suis sniper. Un peu dans la merde. Pour être franc, je vais me cacher derrière des bidons. Animateur qualité prévention, est-ce que vous êtes chaud pour voir si les normes d'hygiène sont ok? Let's go! C'est un peu ça, ouais. Justement, c'est cette semaine où il y a un audit qui va arriver en janvier, bientôt là. Et donc, du coup, il y a l'animatrice qualité sécurité environnement qui nous a convoqué pour une heure pour faire des points comme ça. On a fait un petit jeu, un petit caout, un petit quiz pour savoir si on connaissait bien les normes. Trop bien. C'était trop bien. Et en vrai, excellent blague, Pollux. Très bonne blague. Ah, ouais, non, ouais. Mais d'ailleurs, Pollux, tu veux nous rejoindre? C'est vrai que je t'ai pas demandé, mais je sais pas ce que tu fais cet après-midi. Théo, c'est la qualité. Il a déjà prévu son sa musique quand il va débarquer. Pour l'entretien. Pourquoi on va choisir vous? Eh bien parce que moi, je suis la qualité et je suis la prévention. J'anime les soirées, tout ça pour l'environnement. Et voilà. Oh, c'est la quali, hein. Attends, si on a l'amiante. Bonne blague. C'est dangereux. Michel, c'est le brésilien. Il danse la samba. Il va de ville en ville pour vendre des Vélux. Michel, c'est le brésilien. Putain.
c'était genre un kawaii burger. Ouais. Non, c'est kawaii burger et Yu-Gi-Oh. Allô. Allô. Il voulait pas mourir. Que je lui dis allô. Tu veux mourir? Merci. Et merde. Ça c'est les Normands ça. En Bretagne, nous on est plus la mort plutôt que la souillure. Et les Normands c'est la souillure plutôt que la mort. Aucun respect. L'amiante plutôt que la mort. L'amiante. L'amiante plutôt que la menthe, dans Memorieto s'il vous plaît. Merci. Ah tu finis le quiz. Putain mais je suis dégoûté de pas être là pour le quiz. J'avais trop aimé répondre aux questions. Mais j'essaierai de regarder les rediffs. Oh. C'est le premier mercredi du mois. Putain, je viens de comprendre. Je suis dans les tables. Ah, je me fais brûler. Aïe aïe aïe, je brûle. Heureusement que je suis fait de feu et que j'ai pas peur des flammes. Ça c'est grâce à mes qualités en prévention environnement, je sais faire face au danger. Oh putain, il y a Robert Hammond, il a survécu. Ça c'est un vrai ça. Il a dépensé sans compter. Je crois que je rate pas au bon endroit. Parce que je ne vois que des briques. Ah, en effet, oui. Pourquoi y'a du monde là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, y'a du monde en bas en fait! Ah, d'accord! Mais y'a même lance-flamme en haut! Le Flammenwerfer! Comme le dit le. Comme on le dit en normand. En normand! Mais il est où ce lance-flammeur là? Le Flammenwerfer! Putain! Putain, mais j'étais juste derrière lui, là. Et là, j'étais juste devant lui. Oh, sacre bleu. C'est galère, hein. Sacre bleu. Ça me fait penser qu'ils ont lancé les NFT Tintin. Le monde va mal. Je veux mourir. Pas dans le jeu, cette fois. T'as les NFT Tintin, quoi. Les NF Tintin, du coup. Les NF Tintin. Mais genre, tu pouvais pas me laisser le tuer, non? Fallait que tu me tues. Bâtard. Ce qui me fait le plus rire, c'est bon, c'est déjà, c'est une idée de merde. Mais surtout, tu le fais maintenant, quoi. Alors que toute la pseudo-hype NFT, elle est passée. Oui, c'est comme les bitcoins, là, d'ailleurs. C'est fini, ça, je crois, d'ailleurs. Les bitcoins, non, ça existe toujours. Ouais, ça mourra jamais, ça cette bien merde. Bien. On a toujours des gens pour casser les couilles. Un peu comme Jean-Marie Le Pen, tu veux dire? Oui. Tu veux dire que Jean-Marie Le Pen est un bit de coin? C'est un bit. C'est un bit con. Un bit con. Big con même. Oh. Non. Non. Pas le gros canon. C'est ce qu'elle dit toutes. Putain. Je suis fatigué. Il est mort de rien. Putain. Ouais, je suis mort. Voilà. Il a fait sa référence à The Office, il est content. Il peut mourir. J'ai fait ma révérence. Alors faut faire gaffe, il y a des bombardiers ennemis qui arrivent. Je sors des cercles rouges alors. Ouais. Tout en restant dans mon cercle rouge à moi. Voilà, je ne suis plus c'est dans quoi les cercles rouges ennemis. C'est quoi ton cercle rouge? Le communisme. Ah. C'est mon cercle de communiste. Ah. Très bien. C'est mon cercle de communiste préféré. Comment je sors de cette baraque moi? Voilà. Par ton cercle rouge. Par la porte. Par Bernard. Vous m'aurez pas, je suis allongé. Vous ne voyez plus. Je suis caché, mais je ne vois pas non plus. Je t'ai caché. Grand botte de fouing. Ah oui, ils sont juste là, ouais. Ok. Mais merde, il m'a vu. Il m'a vu, mais moi je me suis. Mais c'est quand qu'on peut avoir d'autres armes que ce que j'ai en fait là parce que. Bah il faut juste grinder. Ouf, ils ont pété, dégommé un de tank.
serai avec toi, hein, t'as intérêt à me sauver. Hein. Ah non, je suis pas là, je crois qu'il y a un Flammenwerfer allemand. Pas normand. Et il est mort. Merde, il y en a encore. Pourquoi tu me parles d'allemand? Ouais, oui, on est pas en Allemandie ici, on est en Normandie. En Allemandie. Ils sont tous morts. Ah, Yass, il y a un point sur toi. Allez, allez, allez. Bah attends, je vais me faire le truc anti-aérien là-bas. Temporairement inactif. Voilà. Quoi? Estelle à qui? Elle n'a qu'à ça. Oh non! Le on ne fait dans des Stanlos ennemis. T'essaies de parler normand? Normandol. Combat en... Oh putain! Oh non, c'est bon, ça passe. Ils sont où les amis? Je vois des gens qui tirent dans des endroits, mais ils tirent dans des buissons. Non, ils sont là. Ouf, où j'ai ping là. Tiens! Ils sont là, là, dans la rue. Et merde. Tiens! Tiens à la tête. J'ai jamais réussi à l'avoir, le. Putain de truc entier. Voilà. Toi, mange bien tes morts. Mais genre, je l'ai pas eu, lui. Allez, tiens, tire à la tête. Reste pas devant moi, toi. C'est un conseil d'Amish. Conseil d'Amish. Construisez-moi ce baraque en bois. Oh putain, il y avait des mecs derrière. Voilà, coucou Xavier. Comment ça va? Oh. Village de la Peurelle. Et merde, il n'y a plus le point. Bah, tu parles, c'était pas étonnant, vu où je l'ai mis. Mais bon, ça a, permis de faire... Merde, ça a permis de faire un peu de diversion, je pense. Il y a un avion qui s'est créé au Japon, là, il a failli... Non, putain. Kamikaze. Ouais. Après, si tu veux, il y a aussi la campagne du Pacifique. Mais moi, je ne suis pas pacifique. Bah, t'es pas normand non plus. Bah alors, je retourne, je suis américain. Ah non, mais c'est ce américain. Mais les américains, ils n'ont jamais attaqué le Japon. Ou alors, à moins que ce soit contre Jersey. L'île anglo-normande. Ça me mais va. Quel rapport avec le Mont-Saint-Michel? Tout. Exactement. Si tu ne le vois pas, c'est que t'es normand. T'as quelque chose à me dire, Alex? Bon, j'ai passé un séminaire en Normandie. C'est quoi la barre rouge au-dessus du... La barre rouge? La barre rouge? Au-dessus de la barre d'endurance. Je sais pas. Ah, c'est ta vie. Ah, moi je suis bientôt mort, alors. C'est marrant, j'ai une barre rouge. C'est bizarre. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, tranquille, tranquille. Profite bien du week-end. Ah, est-ce que Nantes c'est en Bretagne ou pas? Voilà, posons les vraies questions. Oui. Non, mais ça c'est un Breton qui va te répondre aussi. Bah oui, Nantes c'est en Bretagne. Un Breton va forcément te répondre que c'est en Bretagne. Alors que l'administration elle en dit quoi? L'administration elle dit que non. Ah bah voilà. Du coup, dans le cul. Et si le château des ducs de Bretagne à Nantes, c'est pas pour rien, quoi. Ouais, si non, mais Nantes, ça peut être moi aussi, je peux renommer ma maison capitale du monde, hein. C'est pas pour autant que c'est le cas, hein. Non, mais c'est pas... Mais c'est pas... Mais... Quoi? Ça, c'est bien un bourgeois, ça. Ouais. C'est bien des mecs qui habitent à Bourges, ça. Ils ont aucune race. Tiens! Le Gaiter, là. Ils mangent du beurre salé, c'est des Bretons. Ah! Enfin un bon critère. Comment vous mangez du votre beurre? Avec du pain. Bah non. Du si. Personne le mange avec du pain. Si, une tartine de pain beurre. Ah non, comme... tu le manges comme des glaces. Aussi oui, mais... Comme un fromage. Ça se lâche, ça se déguste. Il va crever lui ou quoi là? Eh, mais putain, c'est un bordel de tirer à travers des sacs de sable, là. Oui. D'autres choses à dire? Il y a des ennemis, là. C'est très pertinent. Bah oui, moi, je suis pertinent. C'est comme perspicace, mais pertinent. Laissez-moi faire un massacre avec ma Bren, s'il vous plaît. Laissez-moi au moins ça. Avec ta
ça baisse là. Je suis avec toi. Parfait, parce qu'ils sont mis là-haut. Ouais, il y en a encore, regarde. Faut que je recharge, je sais pas où ils sont. Ça rentre. Ok, je l'ai eu. J'ai mitraillette, c'est bon, je vais pouvoir faire un massacre ici. Ma porte! On détruit ma porte. Et merde, je l'avais pas vu. Il reste un mec à l'intérieur. Je sais pas où il est. Ah si, il est devant moi. Ah mais! Je l'ai tiré dans la partie génitale, il aurait dû mourir depuis longtemps. Ah ah, mais il avait des couilles en acier. Michel Grand Paquet. Georges Grand Paquet. Georges Grand Paquet. Il avait un si gros paquet que ça arrêtait les balles. Mais c'est un ennemi ça. Mais genre, mais lui ça passe quoi. Il est fatigué ou quoi là. Attention. C'est qui fatigue. Ouais, j'étais en train de miser sur un mec qui est tombé de fatigue. Il en avait marre. Oh. Non mais vous savez moi tout ce qu'on fit breton normand j'en ai marre. Non, on ferme la porte, il fait froid. Sobriété énergétique. Bah t'as pas entendu, c'est la fin de l'opulence. Ils nous ont dit que ça allait en fait. Finalement ils nous ont dit que c'était bon. Il n'y aurait pas de pénurie. Bon après ils ont pas dit que c'est parce qu'il faisait 15 degrés. On peut opuler, c'est bon. On peut opuler. Ah oui, bah, on opule. C'est bon. L'opulence est de mise. L'opule en hiver, pas de pull en hiver, c'est bon, allez. Alors celle-là, t'étais pas obligé. Opulon. Clairement. Tu vas te faire enculer, toi. Tu vas te faire enculer. Non, opulé. Comment on fait déjà pour changer de... Ah, enculé. Va mettre un pull. C'est vrai qu'avec le froid, ce serait dommage d'attraper un truc, quoi. T'en faire attention. Tu veux que je te construise un petit sapin pour toi? Non. Petit sapin de Noël. Le sapin de l'amitié. Et de l'opulence. Le sapin de l'opulence. Salut. Oh putain. Viens là que je t'opule ton énergie. Je suis dans le château. Non, moi je suis dans l'opulence. Ça t'opule. Je crois qu'il y a un enflamme qui fait de ma voix là. Bonjour toi. Allez, viens. J'ai chargé quelqu'un à la bayonnette, c'est bon, je suis prêt. Ah, j'entends un bing. Est-ce que c'est parce qu'il y avait M1 ou alors c'est parce qu'il y avait un spawn? Est-ce que c'est tous ses alliés ça? Oh là là, mais la M1 c'est tellement de la merde! Pardon? La carabine M1. Elle est garante? Elle est éclatée, non, la M1 garante elle est très très cool. Oui. Mais la M1, la carabine M1. Oui. C'est dur. Hein. M1 tenez, M1 t'es là. Oh ta gueule. Beaucoup. T'es bien? Non. Si. Ah non. Si si, c'est juste que tu n'as pas la... Pas la finesse. T'as pas la ref. T'as pas la finesse. Tu la ref quand même, tu l'as. Wow. Ah, si c'est validé par Pollux, ouais, enfin. Bah oui, voilà. Ouais. Ah bon. Je préfère le certifié Pollux que Adrenage, hein, quand même. C'est pas pour rien. Ah ouais? Ouais. Ah bah t'as raison. C'est normal. Bah oui, bah je sais qu'il a raison. J'ai été certifié par Pollux. T'étais quoi, sanctifié? C'est un gage de qualité, la certification. Non mais, pas de pub ici, hein. Ça suffit, là, les gens qui se croivent n'importe où, c'est bon, hein. Ils se croivent n'importe où? Ouais. Y'a des règles ici, hein. Bah apparemment pas les règles de français. Oh. Pas mal. Et encore une victoire des Armoricains. On peut faire le Pacifique hein, si tu veux. C'est bon, il y en a plein le cul. Allez go. Alors attends. D'abord j'ai des trucs à faire. Je dois recevoir la Lee Enfield. Eh ben fais des trucs. Alors je peux améliorer quoi? C'est quoi ça? Ah enfin Jean-Marc, calme-toi, moi je rémunère pas.
Bah c'est bien, t'es... Comment ça, tu payes pas tes viewers? Non, faut pas payer les gens. Allez, guerre du Pacifique. Après quand... Bon, la guerre du Pacifique, logiquement, t'as rien à faire. Le... Mais t'as encore des trucs à faire? Je te dis que oui. Ah, attends, mais oui. Merde. Attends, c'est où? Normandie. Tiens, fais tes trucs. Fais ton greu. Alors... C'est quoi ça? Paris, je suis en maison d'endormement. Ok, je comprends rien. Alors, ça c'est quoi ça? Amélioration d'atelier. Springfield. Voilà. Amélioration personnelle. J'aimerais être une meilleure personne. J'aimerais être plus efficace sur mon lieu de travail. Une arme secondaire. Bah ouais, allez, ça sera mieux. Alors du coup, je peux avoir un deuxième sniper ici. Ah bah c'est parti en vrai. Michael alors, Silva. Alors Linfield ou plutôt... Non. Springfield ou Fusil Ross. Mais Springfield j'ai déjà. Ouais, le Springfield c'est l'arme de base. Ouais, et le Ross MK3 là, ça je l'ai pas. Peut-être. Mais comment on sait si c'est mieux ou pas? Prendre Linfield. Et voilà. Et je peux prendre ça aussi ou pas? Ouais, voilà, je pouvais le prendre. Très bien. Un sapeur. Ah oui, merde, je voulais prendre. Mais c'est là où il y aura le choix du sac à dos. Ok, ok. Oh, une hache. Ah. Oh putain, non, je peux pas l'acheter. Et comment ce fils? Oh non, j'ai cliqué sur acheter, ça envoie. C'est pas ses fils. J'ai pas assez de... d'ordre pour des armes, c'est ça? Et comment se fesse? Est-ce que j'ai pas été assez bon? Ah, bon. C'est parti? Attends, je regarde juste si c'est bien parti, parce que maintenant, faut que je... Mais non, j'ai lancé le tutoriel! Nique-toi! Ça m'a mis un tutoriel, ingénieur, quitter la bataille. Allez, tu peux le faire, voilà. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Pousse! Alors du coup, soit mitraillette, ça dégage. Et ça dégage pas, t'as que ça. Je sais pas si je l'avais rôle ça. Je peux mettre deux armes de fusil. Ok. Toi t'as le fusil Ross. Geller. LOL. L'humour ici, hein, surtout avant tout. Franchement, ouais. Tu vois, j'ai même pas besoin d'animer mon stream. Ah non, mais je suis animateur qui est occupé, moi, donc je peux animer en qualité, en prévention. Je préviens de la qualité dans l'environnement toxique de cet endroit. Viens animer mon stream. Des grenades dans ce jeu? Oui. C'est vrai. C'est quelle touche, déjà? Il faut que tu la... C'est plus une arme secondaire, en fait, qu'il faut que t'actives. Alors non, j'ai des avantages, alors. Changement de position, non? Vitesse d'extinction des soldats en feu, 100% plus rapide. Excellent. Alors, ça va. Ça donne plus d'avantages. C'est bon pour acheter, voilà. Les avantages, c'est un peu anticommuniste, hein, ça m'emmerde un peu. Village, là, comme ça. C'est bien dit. Mais si les avantages ne sont pas forcément des privilèges. Hein, les faut jeter la souris. Comment ça, faut jeter la souris? Par rapport à quoi? Je sais plus de quoi on parlait. Bon, pour la grenade. Il est... Ah Elle est bien, je l'ai. Ok. Je l'ai. Tu l'as. Bah, écoute, GG. Ah, en fait, ça veut dire amélioration, très bien. Bah, ok. Ah. Voilà. D'accord. J'ai amélioré mon Springfield. Et ben, on va dire que... Attends, non, du coup, je peux améliorer ça aussi. Putain, ça fait longtemps aussi que j'avais pas fait une campagne de Tunisie. Non, bah c'est bon, allez go, quand tu veux. Ah oui. Allez, c'est parti. Putain, par contre, les poils de barbe, elles sont dégueulasses, quoi. C'est immonde ce qu'ils ont fait.
Bon, j'espère que t'es prêt, hein. Oui. Et que tu vas tout donner, hein. Ouais. Parce que souviens-toi. L'été dernier. Alors non. D'accord. Je me souviens de quoi ? De la mage pacifique sur Battlefield 5. Ah oui. C'était la même chose ? C'était de la merde. Souviens-toi de Battlefield 5. D'ailleurs, j'ai été à me prendre 2042 aussi sur... Ah non. Je dis ouais, non. Non, non. Non, fais pas ça. Non, non. Laisse-moi tout seul dans ma défaite. Ah voilà, c'est ça, je me suis dit, voilà. Je pense qu'il voudrait pas que je l'achète. Ah putain, on est en défense. Non, non, ouais. Non, il aurait été bien. J'aurais dit oui. Et pour moi, je te conseille des bons jeux, hein, pas des mauvais jeux. Ah, tu prends que des bons jeux. Voilà. Ok. Je te conseille quand même des jeux de qualité. Je suis pas un connard. C'est pas parce que tu conseilles des jeux de qualité que t'es pas un connard. Hein. Bah, pas par rapport à ça. Après, ça dépend des points de vue. Tiens! Tiens! Mais c'est vrai qu'en termes de qualité et de fun, MW2 est voilà, quand même supérieur. C'est dingue ça. Mais pas celui de 2009. Hein. Si, celui de 2009. Bah oui, mais celui de 2009 il est supérieur à tout. Ouais, faut qu'on joue la barre nous là. On a la barre. T'as la barre ? Et ouais, j'ai la barre. Putain, le mec il triche, il paye, je suis sûr. Même pas en plus. Mais putain ! Je vais venir avec toi voir cette barre. Viens comme elle est belle. Je vais aller au bar. Mais attends, je suis pas encore là. Du con. Bah t'es où ? Bah derrière toi. Mais loin derrière toi. Retourne-toi et monte-moi ton bar. Hein. Attends, j'ai des... Aïe. Tu peux la ramasser si tu veux. Comment on fait pour la ramasser ? Faut que tu sois dessus et que t'appuies sur F, je crois. Quand c'est écrit ramasser telle arme. Ah merde. Ah bah y'a pas. Je suis en train de me faire défoncer. Bah elle est là. Je la prends alors. Pas de problème. Mais je la vois. Mais moi j'ai rien. Ça me dit rien. Ah putain si. Mais non. Merde. Mais tiens, y'en a une autre là. Y'en a une autre là. Je suis mort ici aussi. Là. Elle est là. Tu vois le cadavre devant ? Bah elle est là. Non, on le voit. Non mais sérieusement, elle est là. Regarde là, t'as le canon qui dépasse sous ses pieds. Mais où ça ? Derrière là ? Mais non, pas derrière. Là, là, le corps qui est là, là ! Là ! Mais... Là où je ping, là ! Running ! Voilà, tu l'as. Ok. Enfin un viseur, en vrai. Franchement, le feeling est cool. Hein. Puis en coup par coup, c'est incroyable. Tiens, Fedor. Fedor et d'argent. C'est beau. C'est un poète. Edgar Allan poète. C'est bien la défense aussi. Ah, je peux faire l'attaque perso. Ah bah défense au moins on tue les gens. Alors vraiment c'est ce que t'es censé faire aussi en attaque mais... Ouais. En attaque faut bouger. Moi j'aime bien ne pas bouger. Comme dans la vie. Je t'en rejoins. Mais... Putain mais d'où il m'a eu... Ah ok d'accord non. Ok, on a eu du bol que lui, il a eu brain freeze. Ils sont sur le point, hein, fais gaffe. Oh, mais il est encore là. C'est bon.
Non, il n'y a pas de Team Kale, on peut pas te tuer, tu peux pas te tuer. Non. Bon, je... J'ai essayé pourtant. Ce serait très contre-productif. Vu ce que je suis en train de faire là. Non, ma série de 22, non. Ah voilà. Série 22, t'avais tué 22. Ouais. 22 gars. Mais c'est pas fini, je suis pas encore mort. 23. 24. Mais tu les vois où? Oula, mais lui là. Lui là, il va me faire chier la Marduk là. C'est mieux que tout à l'heure, c'est ça. Oh, mais genre, je l'ai. Mais non, je l'ai tiré avant, hein. M'en fous. Bah, tiens, tu fais. C'est quoi? Je vais te retirer. 25. C'est la fin de la récré. C'est la fin de la cour de récré. Mettre un peu des positions défensives là-bas. Histoire de pouvoir revenir plus vite. Quoi, il est 5h? Ouais, je pars d'ici 1h pour le ciné, ça va, t'as le temps. Tu vas au cinéma? Ouais. Cinématographe. Je vais au cinéma RSA de ma ville. Il repasse des vieux films le premier samedi du mois. Ouais, il part quoi là? Là, du coup, à la base, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. À la base, ils avaient prévu All Boy, mais du coup, ils partent. Apparemment, c'est indisponible. Donc là, ils sont plutôt sur le premier grand succès du réalisateur. Ok. Donc là, faut les défendre le point. Qui est point de sécurité area, je crois, un truc comme ça. Joint security area. Plutôt. Ah, faut, ouais, bah, faut refaire la même. C'est la défense, quoi. Simple. Faut défoncer, quoi. Basique. Mais après, ma surprise de l'année, par contre, ça a été le chapeau T2. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Franchement, sans déconner, hein. Si t'as l'eau gaz, ne va pas voir Avatar, mais va voir ça. Hein. J'ai l'eau le gaz. L'eau gaz, je sais pas, mais l'eau le gaz, ouais. L'eau le gaz. Mais par contre, bah, t'as dit si t'as l'eau gaz. Ah, ta gueule. Donc, ouais. Mais non, je pense pas que j'irai le voir, quoi qu'il arrive. Bah, franchement. Déjà que j'ai pas vu chapeauté 1, j'avais pas vu. On s'en fout, le 1, tu t'en branles, c'est pas important, je l'ai pas vu non plus. Mais t'as aimé les deux premiers Shrek? J'ai pas vu le deuxième, je crois. Bon bah déjà, regarde le deuxième. Ce qu'il est super drôle. Ensuite, est-ce que t'as aimé le premier Shrek? Bah évidemment, j'ai du goût. Bah voilà. Bah le chapeauté, tu vois, c'est. C'est comme Shrek 1, mais en mieux. Mais je suis un allié. Ouais, mais alors les Japonais qui font trempette dans l'eau là. J'ai à branler les Japonais de leurs compliments. Leurs compliments. Mais on a rien à foutre des Japonais de leurs compliments. Je veux sa peau. Où est-il? Où est-il à ce jour? Je te vengerai, mon frère. Oh merde. Putain, je viens avec toi parce que je trouve personne là. T'es pas le con, Philippe. Toi et moi, on peut se faire du fric. Ah, j'ai une arme de merde. Bah voilà, ça m'apprendra. Ça m'apprendra à me plaindre des armes. Ouh, ah, ils sont là. Et puis là, ils sont nombreux. Hein. Là, ils sont tous là. Là où j'ai ping, là, ils sont tous là. Ouais. Dommage que j'ai aucun shoot. Bah, ah bah il est là lui. Il est juste devant moi. Ouf. Oui, et du coup Elden Ring bientôt. Ah oui. bientôt. Bah oui, mais là je me suis fait happer par des jeux de stratégie. Bah Elden Ring stratégique hein. Tu y joues et tu sais pas quand t'arrêtes. Bah oui, stratégie. Mais... Et il faut que je termine Darkwood aussi d'abord. Avant de terminer les jeux que t'as pas encore commencé, tu peux terminer un jeu que t'as commencé quelques temps. Avant de lancer dans des nouveaux. C'est ça. Ouais, mais Darkwood, j'avais commencé pour le mois d'octobre dernier. Oui, mais le rythme t'as commencé en février dernier, ça va faire un an.
Pour les 1 an, tu veux... Pour les 1 an, j'ai passé 50% du jeu, ouais. Oui, mais je sais que j'en ai encore pour 100 heures d'Elden Ring. Quasiment, ouais. Je sais que rien n'est fini et que c'est que le début. Mais quelle arme de merde! Puis après Elden Ring, il y a God of War aussi qu'il faudrait que je fasse. Même si j'ai pas très envie, hein. Il donne pas très envie ce God of War. Alors que Elden Ring... Bah ouais, tu vois, parce que, tu vois, enfin, quel jeu tu peux faire après Elden Ring? Peut-être pour ça aussi que je veux pas y retourner. C'est pas une question de flemme et d'autres jeux à faire. Mais... Tu peux faire Elden Ring après Elden Ring. Non, je ferai Elden Ring. Après Elden Ring. Quand ils vont annoncer Bloodborne 2. Parce que même Bloodborne sur le PC, tu vois, même Bloodborne sur le PC, je pense que c'est réalisable. D'ailleurs, t'as vu le... Il y a un Dark Souls, là, un mode Dark Souls Hearthstone, là, qui a vraiment pas mal. C'est un mode, en fait, une refonte, un nouveau Dark Souls fait par des fans, quoi. Ouais. Mais les mecs, les modes de Dark Souls, hein, c'est ouf, hein. Tu prends Dark Souls 3, t'as vraiment des modes qui te rajoutent vachement de trucs, des nouvelles armes et tout. Mm. Des nouvelles machines, machin. Les mecs sont méga chauds de ouf sur Dark Souls. Mm. Bon, ils ont chez Ping là, ils sont tous là. Hein. Ok, bah de toute façon, moi je suis pas là. J'arrive. Bah fais un effort. Bah je fais des efforts. Bah fais-en plus. Ok. Là tu vois, j'en fais plus là. Mais il me rentre dedans le char là, allié là. Qu'est-ce qu'il. On est en train de perdre le point ou quoi là? Oui. C'est bon, je suis dessus, on perd plus le point. Là par contre, faut dégoûter où il se planque. Bah je ping. Je pense qu'ils ont un spawn. Ils ont un spawn au nord. Ouais, j'arrive à le déloger. Ils sont tous là. Hein. Pique en 3D là. Et vous faites quoi là, mes gars là? What? Je suis tout seul sur l'entrepôt? Non, je suis pas loin, mais il y a trop de monde en fait. C'est bon, je suis là. Les trucs, je pense pas. En fait, je tire sur des trucs que je pense être des ennemis, mais en fait, c'est même pas des gens. Et merde, je l'ai raté. Ah, je reviens avec une nouvelle escouade. Ok. Tiens! Oh merde! La bite. Wouah! Oh! Putain, t'aurais pu faire un effort quand même, Alex. Hein. Ah, là, j'ai tout donné. Hein. J'ai tout donné. Hein. J'ai tout donné. Fuck, merde. J'ai tout donné. Hein. J'ai tout donné. Moi, j'avais tout. Et bah maintenant, j'ai plus rien. J'avais tout donné. C'est vraiment tout donné que j'ai plus rien. Mais je donne tout. Et tu donnes, donnes, donnes. Et sans rien qui te plaît. Et tu meurs, meurs, meurs. C'est ta façon de tuer. C'est Balle qui t'entraîne. Ouais. Jusqu'au bout d'un rivière. Termine souvent au fond de ton cul de... Mais non! Au bout de ton cimetière. Comme ça rime en plus. De ton cimetière. Du cul de ta mère. Et tu donnes, donnes, donnes. C'est bon, ça rime aussi, hein. Bon, le char, il tue des gens, là? S'il faut juste que ça rime pour que ça soit de la poésie. Là, tout n'est tendre, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté. Redonne un sens à ta vie. En y mettant de la peau. Hey, poésie. C'est beau, hein? Ouais. Si seulement ça nous permettait de gagner. Bah toi, le but, c'est de gagner la vie, hein. T'es pas là pour faire de l'art, toi. Moi, je suis là pour gagner. Hein. Moi, je suis un winner. Hein. J'ai remarqué que j'adorais être numéro 1. Y'a du monde sur l'entrepôt. J'ai remarqué que j'aimais beaucoup gagner. Hein. En même temps, je suis un winner. C'est plus fort que moi. Je sais pas où ils sont, les gens, là. J'aime pas trop ceux qui perdent, tu vois.
Oui, mais ça, c'est la pire arme, ça. Ah. Ok, c'est la meilleure arme, ça. Salut, toi. Mais genre, j'avais vu faire ça. Mais attends, il était derrière son mur, là. Moi, je pensais qu'il pouvait pas m'avoir. Il m'a fait ce que je voulais lui faire. Mais oui. C'est pas juste. Bah non, c'est pas juste. C'est vrai, parce qu'en fait, moi, j'allais... Il était à travers sa motte de foin, là. Je le voyais. Son mur en paille, là, je sais pas quoi. Et il m'a dit, vas-y. Bah non, mais moi... Du coup, je lui dis, vas-y. Bah, je peux pas la voir à travers la paille, donc je vais contourner. Et en fait, il m'a eu à travers la paille. Putain, le bâtard. Ah ouais. Franchement, c'est pas très sympa de sa part. Moi, tu vois, ça aurait été moi, je l'aurais pas fait. Bah, tout là, je vois pas où sont les gens, quoi. Faut te dire, moi non plus. Hein. Et en plus, j'ai envie d'aller pisser. Tu vois. Et on peut continuer comme ça à parler de nos problèmes. Voilà, on peut la gagner, cette guerre. Bah, pour moi, ce problème ici, le plus important, c'est la guerre. Donc, on peut parler de la guerre si tu veux. Qu'est-ce que la guerre? C'est le fait de devoir tuer des gens pour des politiques dans leur bureau. Ouais, je dénonce, mon gars. Franchement, tu dénonces fort, là. Franchement, c'est peut-être un peu trop de dénonciation pour moi et pour aujourd'hui. Je dénonce grave, hein. Franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont être d'accord avec toi, là. Non. C'est une position qui est quand même assez forte. Et je suis pas sûr que je peux te laisser dire des choses comme ça. Bah, et sur Twitch, en plus, tu vois. Fais gaffe, tu dénonces trop, là. Ouais, là, franchement, là, tu dénonces, tu vois. Jeff Bezos qui va m'appeler, il va dire, oh là. Oula, tu calmes ton gamin là. Déjà que je te donne trop d'argent, alors en plus maintenant ça suffit. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit, hein? Voilà, pas de politique sur Twitch. C'est pas politique ici, hein. C'est pour faire du jeu vidéo. C'est comme les jeux. C'est comme la Coupe du Monde, pas de politique. Voilà. C'est comme le cinéma. Oh là là, les gens qui parlent de politique dans le cinéma, oh là là. C'est lui qui a capturé la zone. Putain. Merde, putain, il y a une grenade, je suis mort. C'est comme Apocalypse Now, tu vois. Apocalypse Now, c'est pas politique. Y'en a marre des gens qui politisent tout, là. Genre les politiques, là. Vous en avez pas marre de politiser? C'est bon, Macron, il est apolitique, hein. Comment dire, il est de droite, quoi. Ouais, non, là ça dénonce, beaucoup trop. Tiens, je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas te laisser dire que Macron. Je peux pas te laisser dire que Macron il est de droite. C'est pas possible. Pourtant, je le vois, il porte des costards. Hein. Non, quand même, il y a souvent les gens qui portent des costards, souvent des gens de droite. Non, ils mais. Politisent. C'est trop. Je vais être obligé de te censurer. Ouais, bah c'est toujours comme ça la vie. Écoute, je suis délégué syndical, c'est pour dénoncer. Tu vois, t'es animateur, mais t'animes un peu trop là. Et même je délègue. Ça devient un peu trop personnel. You have to hold that point. Voilà. Tiens, l'église. Tiens le point. Voilà. Je vais dénoncer l'église maintenant. Et quand même, je trouve que l'église. Il y a quand même beaucoup d'argent. Oh non, mais non, mais voilà, bah voilà, ça y est, bah voilà, voilà, forcément. Super, bravo. Il y a beaucoup d'argent et ils demandent quand même aux pauvres gens de donner. Bravo. Franchement, on attendit des trucs, mais là c'est fini. Là. Voilà. Notre amitié s'arrête ici. C'est comme Benoît XVI, ils sont où les 15 autres? Moi je les ai pas vus, hein. On m'a dit qu'ils étaient là, mais comme Mozart, ils étaient pas là. Mozart, ils étaient pas là. Mozart est là, en fait, Mozart est oh mort. Putain. Oh non. Alors je peux pas te laisser dire ça. Je dénonce Mozart aussi, moi je dénonce tout, Amadeus, c'est rien à branler. Wolfgang, là, c'est bon. T'es qui, toi? Là, t'as un avis. Mozart, l'opéra rock, c'est bon, ça va 5 minutes. Hein. L'opéra, un opéra qui est rock, excuse-moi, j'ai un peu du mal à y croire. Et puis Mozart, il était mort déjà. D'où il fait de l'opéra rock, là? D'où il ressort un CD, là, genre dédicacé. D'où il sort un nouvel album, ce bâtard. On le voit plus pendant 100 ans, là, au moins. Putain, Mozart, franchement, il est au cul de race, hein. Il fait genre, il est mort, puis il sort un nouvel album. Il sort c'est un opéra, quoi. Et... C'est exactement comme Johnny, Elvis et tout ça, quoi. Quoi? Johnny morts, est mort en fait. Johnny... ça par contre, je peux pas te dire ça. Johnny est mort. Johnny ne sera jamais mort, ok? Putain, je peux pas, faut que j'arrête. Faut que j'aille dehors. Johnny est mort. Est-ce que Johnny a déjà été en vie?
Parce que Johnny, c'est pas Mozart, finalement. Parce que Mozart n'a pas pris possession du corps de Johnny. Bah c'est ça, pour ça qu'il a fait un opéra rock. Mais attends, mais je suis bugué, je suis bugué, allez. Heureusement que j'ai ma squad qui reste sans rien faire dans un coin, là. Ah, Mozart, il a poussé un peu, quand même. Hein. Alors qu'il aurait pas fait d'opéra rock, tu vois, on aurait rien dit, quoi. Surtout que là, bon, en plus, il a fait un opéra rock, mais... Comment on se suicide? Un pion sur la chape. Non, en vrai, je veux dire. Bah, comme Mozart. Voilà. Oh, dur. Je suis en train de sauver l'église, là. Ah, putain, je suis trop con. Un peu comme l'abbé Pierre. Est-ce que tu vas me dire qu'il est mort aussi, l'abbé Pierre? L'abbé Pierre qui roule, la masse famousse. L'abbé Pierre qui roule. Oh. Mais genre, t'es pas mort, toi. Et Abuelo, là, papy, là, pourquoi Papy Maxime a tué? Papy Maxime. Abuelo Maxime. Ouais, c'est un Normand. Encore ici, un Normand. Encore un Normand. Y'en a marre de ces mecs-là. Hein. Y'a deux trucs qui m'énervent. Les gens qui n'aiment pas les autres personnes selon leur la nationalité ou leur réalité. Les Normands. Et les Normands. Ouais, mais les Normands ils viennent là, ils pensent que tout est à eux. Hein. Ouais, bah je vais vous prendre votre crêpe, frère. Bah, bien sûr. Hein. Je vous prends vos crêpes et puis vos monuments, hein. Attendez, je vais vous prendre. Vous avez du lait, bah, je vais vous le prendre, je vais en faire un fromage qui est assez bon. C'est à nous. Je vais faire ça à eux pour le coup. Je vais faire des trucs bien. Non, ça c'est pas normal. Ah si, t'as dit que le fromage était bon. Oui, mais bon, voilà, un seul truc, c'est pas faire des trucs. Ah. Parce qu'on va faire un truc bien des fois par jour, hein. Je ferme ma gueule des fois. C'est le seul truc de bien que je fais dans la journée, mais. Et merde ouais, je fais plusieurs trucs. Putain, mais il est où là le mec qui me tire dessus là? Derrière toi. Bon bah. Non. Si, t'as regardé? Bah oui, mais il me tirait, il était devant. Derrière toi dans ton appart. Oui, pardon. Excusez-moi monsieur. Oh, bonjour. Attendez. Wow. À mamie, toi. Après papy, à mamie. Oui. Oh, le quick shot là. Sortez la dubstep. Sortez l'opéra rock. Sortez Mozart de son cercueil, il va nous refaire un petit opéra. Mozart l'opéra dubstep. Mozart l'opéra reggae. Reggae. Babylone Amadeus. Wolfgang Babylonus Mozart. Du coup, c'est quoi déjà pour la grenade? On va fumer des gros bétos avec mon pote Beethoven. Un Beethoven. Un Beethoven. Un Beethoven and breakfast. Oh. Mais enfin, genre, Marduk. Ça, c'est ce qu'on appelle des blagues en cascade. C'est comme les multiprises. C'est comme Cascada. Putain. Que zèvre et tam, oui, blague. J'ai pas beaucoup de liens sociaux, donc... Enfin, j'en ai... Qu'est-ce qu'il y a, mais où il va? Mec, il se croit chez lui, quoi. C'est bien les Normands, ça. Hein. Ils sont Normandie, ouais, c'est chez nous. C'est quoi, regardez la frontière. Oh, mais d'où il y a une baïonnette sur son fusil mitrailleur? Je suis pas d'accord. Just a flash. Tu as des références à des films et tout dans le. Dans quoi? En doublage. Mais bon, le mec vient de dire It's just a flash wound. Just a flash wound.
Et salut Néochrome. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Merde. Il arrive tout de par là. Ah bon? Je suis tout en train de débuter là. Franchement là on fait une belle défense. C'est bien repris. Putain, il y a une feuille de bananier devant moi. J'en ai plein le cul des feuilles de bananier. Ouais, ils sont pénibles, c'est normal avec leurs bananiers. Toujours les mettre alors que... Putain, c'est pas le pays quoi. Toujours les mettre. Toujours les... Écoute, ça va bien, merci. Bon, par contre... Bah j'aimerais bien aussi. Ouais. Déjà que je suis dans la file d'attente et que tu me passes devant. Bah oui, bah écoute, excuse-moi. Putain, c'est pareil. Je suis connu, moi, dans le milieu. Moi, j'ai une bouteille dans la guerre. C'est pareil quand je suis allé faire mes courses là tout à l'heure. Je pense que j'ai dû attendre 30 minutes. C'était interminable. Wow. Ouais, franchement. En tout cas, il y a des gens qui attendent toute leur vie avant d'aller faire des courses. Franchement, ouais. Il y en a qui peuvent pas y aller. Un peu de compassion, s'il te plaît. Hein. Ouais. Par contre, faudrait aller sur le point. C'est pas pour te commander, mais. Bah, tu me connes un peu, hein. Mais... Bah, un peu quand même. Mais c'est que j'ai pas envie de le faire. Tu vois, j'ai pas envie de le faire, mais il y a des moments où je suis un peu obligé, quoi. Mais je défends en amont. Oula! Bah, voilà, tu vois, si j'étais pas allé sur le point, je serais pas en train de faire un kit médical. Oh là là, vas-y, je suis en train de prendre feu. Comme l'église. C'est avec Macron, ça. Comme Notre-Dame. Parce que bon, l'église, ça peut être n'importe quelle église. L'église Saint-Pierre, là. À Saint-Lô. Saint-Pierre. J'ai découvert le jeu depuis quelques jours. Ah, et bah écoute, bienvenue à toi. Personnellement, ça va bien faire un an que je suis dessus. C'est beaucoup de plaisir. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Putain. Pourquoi on dit qu'on bute les Normands alors qu'en fait, on n'est pas en Normandie? C'est ça la question. Parce qu'ils sont partout, les Normands. Parce que les Normands, c'est pas vraiment le peuple de Normandie en fait. Ça représente un idéal de Normandie, ça représente un idéal de possession, tu vois. D'ailleurs, dans Normandie, il y a Mans, hein. Comme quoi ça ment là-bas. Comme Richard, quoi. Flamand. Oui, exact. Tiens, petit headshot, toi, mon gars, t'étais à 2 mètres de moi, mais je m'en. Oh ouais, ça arrive là. Hein. C'est pas pour te mettre la pression, mais. Je suis sur le point, t'inquiète pas. Ouais, non, mais là, faut pas être sur le point là. Ah bon? Bah, c'est pas sur le point qu'ils sont. Y'a quelqu'un qui a tiré dans la cloche. Oui, j'ai entendu. C'est l'heure de manger. Pause. Ouais, ce serait un... C'est bon. Oh, zut. Très bien pour un jeu gratuit. Bon. Il est excellent, ouais. Tout à fait d'accord. Ah oui. Même si le grind est légèrement présent, mais c'est pas trop dérangeant. Juste un peu frustrant. Mais sinon, en soi, y'a zéro problème. Ouais, juste toi. Ah ouais. Parce que c'est moi le plus important aussi. Non, ouais. C'est pas plus de problème. Tu n'aurais pas dû grimper à ce muret. Pauvre fou. Ils prennent le point. C'est ce que je viens de te dire. Tu répètes tout ce que je dis ou... Yeah. Non. Viens là. Je peux recharger ou comment ça se passe? Merci. Tiens, viens là que je te soigne. Je vois des ombres, mais y'a personne. Où ça? Je sais pas, y'avait une ombre sur une porte. Y'avait deux soldats sur une porte. Je suis allé dessus, y'avait personne. Merde. J'entends un lance-flamme, je sais pas si c'est un lance-flamme allié. Ou... Mais non, mais cette arme elle est nulle! Ah! Très bien. Viens avec toi. Vas-y, je couche pas. Putain, je tire à tout à côté. Allez. Si tu veux une définition de à côté, tu regardes où est-ce que je tire. tu verras moi qui tire à côté.
Bon, on a bientôt fini, voilà. Hop. On va se faire quelques derniers kills avec la barre, là. Si on arrive à viser, bien sûr. Une barre de kill. Une barre de rire. C'est un mec qui rentre dans un bar, il fait pan. Ah mais je veux bien récupérer lui là. Ah, bonjour. Pourquoi je suis dans un tank là? Bah t'as pas commandé un tank? Bah je sais pas. T'as pas demandé une livraison Colissimo? Bonjour. Je voulais pas jouer à World of Tank moi. Oh quel RP à Colissimo. Bonjour. J'ai un colis pour vous. Je suis de Colissimo. Ça risque d'être le level du RP Cyberpunk, hein. J'espère que t'es prêt, hein. Ça va être ça. J'espère. Bonjour, je suis Jean-Pépé. Je suis dans une rue Cyberpunk. Oulala, attention. Bonjour, c'est moi Cyberpunk 2077. Je suis Cyberpunk. Je suis Keanu Reeves. Bonjour. Ouah, il va me rouler dessus. Ouah, quelle vitesse! Un peu comme la vie qui me roule franchement, dessus. Franchement, ouah! Les forces américaines ont encore une fois repoussé une attaque Normandie! Franchement, incroyable! Comparé à un jeu du même bien plus connu, il est vraiment très bien. Et tu parles duquel? Parce que du même style, j'ai pas trop de comparaison, ouais. Parce que bon, ça pioche un peu par là, plein d'idées de plein de trucs, mais ça le fait plutôt bien. Oui. Oh, et bien le bonjour à l'Expresso, comment ça va? Et bonne année. J'ai vu que tu t'étais Merci. Remis un peu au stream, là, en ce moment. Battlefield, ouais. Ouais, je le trouve quand même assez différent. Puis voilà, en vrai, il était sorti au moment où, justement, Battlefield, c'était un peu l'ennui. Et surtout, Battlefield 2042 était sorti. On va prendre ça. Et quand, du coup, on passe de Battlefield 2042... Ouais, c'est le pack de campagne, il veut que je paye ou quoi? Oui. Va chercher ta carte bleue. Mais non. Et non, mais moi j'ai pas envie de payer. Mais non. Non, je ne ferai pas ça. Sache que tu n'as pas le choix. 1, 2, 3. Un sapeur, sachant saper. Va saper énormément. Augmente de 15 actif en combat, bah oui. Mais du coup, des bisous YouTube, hein. Prends soin de toi. Et à bientôt. Salut YouTube. Ciao. Je voulais pas te souvenir de moi. Que... Non! Non, non, fais pas ça. Non, surtout pas. Non, faites pas ça, YouTube. Hein. Faites pas ça. Surtout pas. Voilà. Crachez sur Zemmour plutôt. Ça, c'est la bonne solution. Ouais. Et ciao, YouTube. A plus. Il est mort.